Merci pour le cœur. Bonjour, bonjour Philippe. Rebonsoir encore, bonsoir, bonsoir, connectez-vous. Voilà, je veux qu'on essaie de bavarder à partir d'aujourd'hui. Et grâce à votre concours, cela se passera chaque samedi à partir de 20h. Donc, vous me connaissez déjà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Compressor, votre artiste swag. Voilà, je fais dans le bicoussi. Allez juste en YouTube, tapez tout simplement Vanessa Compressor. C'est bel et bien, moi je fais dans le bicoussi. Merci encore pour les cœurs et les j'aime. Voilà, c'est comme je le disais tantôt, j'ai décidé d'ouvrir cette petite émission. C'est pour entrer plus en contact avec mes fans. Et c'est aussi pour que nous puissions parler de tout ce qui se passe dans la nature et tout autour de nous. Donc, voilà le but de cette émission. Donc, il ne faut pas oublier surtout, notez bien le titre, c'est « Participons tous ». Donc, tout le monde est appelé à participer. Donc, surtout avec respect et pas d'intrigue, s'il vous plaît, dans la bonne humeur. Pas des insultes, pas de quoi que ce soit. C'est juste pour que nous puissions parler, dialoguer ensemble. Donc, le titre, c'est « Participons tous ». Ça, c'est le titre de notre émission qui commencera à partir d'aujourd'hui. Et grâce à votre concours, cela aura lieu tous les samedis à partir de 20h. Vous pouvez inviter aussi vos amis. Ça me fera plaisir. Merci. Merci de participer, hein. Merci. Donc, tout le monde est appelé à donner ses idées, intervenir aussi dessus selon le thème qui nous est donné ce soir. Donc, le thème est en dessus. Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni? Donc, ça, c'est la question, le thème, notre thème de ce soir. C'est l'ouverture du thème de notre émission de ce soir. Parce que bref, on en parlera souvent de tout, hein. Que ça soit musique, que ça soit ce qui se passe dans le monde, que ça soit ce qui se passe tout autour de nous, dans nos familles, dans nos couples. Voilà, c'est ça au fait, quoi. Donc, aujourd'hui, moi, je vais donc, j'ai eu un petit incident là, sorry. Donc, aujourd'hui, donc, j'ai décidé de commencer avec ce titre. Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni? Donc, vous pouvez appeler, vous pouvez donner même vos idées comme en dessous des autres commentaires. Là, tout un chacun peut répondre, participer. Voilà, c'est un peu ça. Mais qu'en attendant que vous puissiez poser vos questions, nous allons quand même suivre un peu de la bonne musique. Parce que vous savez, la musique adoucit les mœurs. Donc, voilà. Faut pas hésiter à poser toutes vos questions. Et voilà, on pourra en discuter tout cela. Nous pourrons en discuter dessus. Salut, salut à tout le monde. Salut, salut encore une fois de plus. Ça, c'est notre nouvelle émission qui commencera à partir d'aujourd'hui. Tous les samedis, à partir de 20h. Donc, voilà. Vous êtes connectés, invitez vos amis, voilà, pour que nous puissions tous participer et en discuter ensemble. Voilà. Donc, que cela ne tienne en attendant, nous allons écouter la bonne musique. Donc, voilà, je vais mettre la musique en attendant que vous commenciez à poser les questions. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni ?» Donc, voilà, juste notre question de ce soir. Donc, vous êtes tous appelés à y participer dans la bonne humeur. En attendant, je vais nous mettre la musique en fond sonore.
Bonsoir, bonsoir à tous. Notre émission est ouverte à partir d'aujourd'hui et cela aura lieu tous les samedis à partir de 20h. On écoute un peu les cassards pour commencer les choses. Très bien. Connectez-vous, s'il vous plaît. Oui, Brad Pest, je l'ai dit tout à l'heure, le but de notre émission, c'est pour parler de tout quoi. Mais le thème de ce soir est intitulé Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni? Quelle est l'importance d'un peuple d'être uni? Donc ça, c'est notre thème de ce soir. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez appeler pour vous donner vos idées. Tout le monde est appelé à participer, mais dans la bonne humeur. Pas des insultes, pas des rires. Respectons-nous, nous sommes tous de grandes personnes. Donc voilà, c'est ça la question de ce soir. C'est de quoi je veux parler ce soir. Voilà. Ça, c'est les cassards qui nous ont fait vivre. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais plus jeune. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. J'adore bien, j'aime bien. Merci. Venez participer à notre émission qui commence ce soir. Et ça se passera tous les samedis à partir de 20h. Très, très précis. En dehors de la maladie, en dehors de passion, mais ça va se tenir chaque samedi à partir de 20h. Merci bien pour les cœurs, les jeunes. Posez vos questions, participons tous à l'émission. Quand maman la fête est tombée. Quand maman la fête est tombée. Bonsoir à tous, connectez-vous pour qu'on en discute ce soir. Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni? Ça, c'est notre thème de ce soir avec tout ce qui se passe à nos alentours. Déjà, chez nous au Cameroun, il n'y a pas de sécurité en ce moment. Donc, déjà, voilà un bon sujet qu'on peut débattre ce soir. Pourquoi? Parce que c'est bien qu'il y ait la paix dans un pays, parce que l'union fait la force. C'est bien d'être unis, donc nous allons débattre ce sujet ce soir. Voilà, venez participer, donnez vos idées, vous pouvez appeler sur caméra. Donnez vos idées, participez, parce que c'est ça l'émission de ce soir. On écoute les cassaves. Thank you.
Thérèse. Venez participer à l'émission. Surtout pas de tribalisme. Hein? Pas de tribalisme parce que nous sommes one. La Bible dit d'aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est ce que dit la Bible. Donc, nous devons maintenir cela parce que c'est un principe fondé, écrit dans la Bible. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Si tu n'aimes pas ton prochain, comment tu vas prétendre aimer Dieu que tu n'as même pas vu et que tu ne vas jamais voir? Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais on sait qu'il existe par rapport à ce qu'il nous fait. Il nous a donné la vie. Il nous a donné le souffle de vie. L'air qui passe là, c'est Dieu. Donc nous savons que Dieu existe, mais on ne peut pas le voir. Donc pour aimer Dieu qu'on ne voit pas, nous devons nous aimer nous-mêmes. Et nos prochains, mon Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Merci, mais je veux que tout le monde participe. L'initiative est bien. Bon, pour que ça puisse continuer, il faut que tout le monde y participe. Sans déception, pas d'insultes, pas d'intrigue, pas de tribalisme. Non, non, non. Hein? Mais chacun peut donner son idée, ce qu'il pense, que ça peut être en profit des autres. C'est ça. C'est même Babel. Ah. Vous êtes où connecté, vous participez à l'émission dans la bonne humeur. Discutons mes amis, discutons tous ensemble, mes fans, mes amis et tous ceux qui m'écoutent quoi. Tous ceux qui m'écoutent un peu de partout dans le monde, je sais que vous m'écoutez et vous me suivez actuellement en ce moment. Mais je veux que tout le monde puisse y participer. Parce que cette émission, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous et c'est pour les autres. Donc, participons, essayez de partageons tous nos idées et véhiculons tout cela. Hein, parce que c'est au profit de tout le monde. Voilà, on continue et suivez un peu la musique pendant que vous réfléchissez encore sur les questions que vous allez poser. Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni? Donc, moi, je crois que déjà, je vais dire ce que je pense, quoi. Je crois que pour qu'un peuple soit uni, c'est quelque chose de très important pour tout le monde, pour la nation et pour le peuple. Parce que quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas d'entente, rien ne peut marcher dans un peuple. Donc, pour que cela fonctionne bien, il faut y mettre des idées, il faut y mettre tout en place, des règles, des normes que tout le monde doit respecter et les mettre en pratique et en vigueur. Donc, je crois que c'est très, très important qu'il y ait l'entente dans un peuple. Je vous ai dit tout à l'heure, avec tout ce qui se passe dans notre pays, nous allons parler très long au Cameroun en ce moment. Je suis camerounaise, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, avec tout ce qui se passe au Cameroun, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. C'est quelque chose d'ennuyeux, ça nous ennuie tous. Mais ça n'était pas notre désir, quoi. Notre désir était que le Cameroun soit un pays uni, et en paix, en sécurité, où l'on peut marcher et dire ce qu'il pense et donner ses idées. Sans que l'on ne puisse être poursuivi ou mal jugé par la loi, quoi.
Donc, au fait, nous savons aussi que dans ce monde, la liberté d'expression, y existe, quoi. Mais sachant que dans tout ce qu'on peut dire, on ne doit pas le dire, on ne doit pas vouloir offenser qui que ce soit. Mais quand il y a des arguments en fait, on le fait juste avec sagesse et beaucoup de dignité, quoi. En fait, c'est ça. Donc, c'est très important qu'il y ait l'unité dans un peuple. Cela fait avancer la culture, cela fait avancer les citoyens, cela fait que tout bouge et aille mieux comme sur les rails, quoi. Donc, on veut vraiment qu'il y ait la paix, la stabilité dans nos pays et dans nos régions. Et c'est ce qu'on veut. Et on souhaite que cela se passe dans les prochains jours, surtout au Cameroun en ce moment, où on a un peu manque de sécurité. Donc, on veut tous que pour que cela puisse fonctionner et que les choses puissent aller bien, nous devons être unis. Parce que une main ne peut pas attacher tout un paquet ou une main ne peut pas construire tout un étage. Pour que l'étage soit monté du premier jusqu'au de la fondation jusqu'au haut, il faut beaucoup de mains. Parce qu'une seule main ne peut pas le faire. Donc pour qu'une maison soit élevée, donc il faut que toutes les mains se groupent, quoi. Parce que l'union fait la force. Donc nous voulons reconstruire notre pays. Nous voulons que des choses aillent mieux et bien dans notre pays. On veut la stabilité, comme je l'ai dit. Parce qu'en ce moment, il n'y en a pas de stabilité. Il n'y en a pas de paix. Et on ne veut pas ça. Parce que moi, déjà, je sais que nous, les Camerounais, nous sommes des gens, on n'aime pas des problèmes. On n'aime pas la guerre dans notre pays, en ce que je sache. Donc, nous prions que par la grâce de Dieu, nous prions y retrouver la paix et la stabilité dans notre beau pays, le Cameroun. Au fait, moi, je suis très fière d'être camerounaise. Donc, c'est ça. Donc, donnez vos avis, donnez vos arguments, dites ce que vous pensez. Ça, c'est une émission qui va y exister par la grâce de Dieu. Si vous vous joignez à moi, donc cela deviendra quelque chose de grandiose par la grâce de Dieu. Mais déjà, je veux que tout le monde puisse y participer, mais dans la bonne humeur. Et ça se passera tous les samedis par la grâce de Dieu, hormis question de maladie ou d'autres problèmes qui peuvent y arriver, on ne sait jamais. Parce que c'est Dieu qui a tout entre les mains, quoi, au fait. Donc, mais ça se passera tous les samedis et puis une durée au moins de 35 à 40 minutes. Donc, on ne serait pas très long. Donc, pour cette raison, j'invite donc tout le monde à pouvoir y participer, à dire ce qu'il pense. Donc, le thème d'aujourd'hui a été choisi, comme je vous l'ai dit. Pourquoi est-il important qu'une nation soit unie? Déjà, moi, je suis l'artiste Vanessa Compressor. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, pour aller sur YouTube, tapez tout simplement Vanessa Compressor. Je fais du bikusi, voilà, dans la bonne humeur. Donc, posez vos questions, dites ce que vous pensez. Voilà, c'est ça. Ça va très bien, mais participez. Pose ces questions, donnez vos idées. Arrêtez de me poser des questions, je bavarde toute seule, au fait. Donc, et le titre de l'émission, c'est Participons tous. Donc, tout le monde a intérêt à participer. Dites ce que vous pensez pour l'avancement de nos pays, quoi. Parce qu'au fait, c'est pas seulement le Cameroun, il y a les troubles, il y a les troubles partout dans le monde, même en Europe. Mais pour que cela puisse cesser, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà le thème de notre émission de ce soir. Mais qu'à cela ne tienne, puisque nous continuons toujours à suivre, puisque je continue toujours à attendre vos questions, en ce moment, à cela ne tienne, on va suivre la musique en fait. Nous allons suivre. Comment participer, you guys? Monique Seka. Hello, hi everyone. Me like you. Participez à notre émission. Monique Seka, ce soir, parmi nous, là, voilà, écoutons bien les mélodies de Monique Seka. Elle est m'avait beaucoup inspirée, je l'adore. Alors, vu Monique Seka, notre émission a commencé ce jour.
Notre émission est appelée, je l'ai nommée Participons tous. Pourquoi? Parce que je veux que tout le monde puisse participer à cette émission. Et surtout, j'exige dans la bonne humeur et le respect de soi, de tout un chacun. Pas d'insultes, pas d'intrigues. Donc, vous posez vos questions, ce que vous pensez, appelez. Laissez des trucs en commentaire et puis voilà. Donc, tout le sujet de ce soir, le thème qui est intitulé « Pourquoi est-il important qu'une nation soit unie ?» C'est le thème de ce soir. Et samedi prochain, nous allons choisir notre thème et encore plus meilleur que celle-ci. Mais celle-ci est l'ouverture de notre thème de ce soir. Merci pour les j'aime. This is not only for me, it's for everybody. You can ask a question in English, in French. I can answer if I feel like doing it. So come and participate, join me, and come and say what you think is right for a nation to be united. This is why I decided to open this channel today. So everyone can say, everyone can give its own opinion, because it's not only for one person, it's for everybody. So please don't hesitate, ask a question, feel free, talk, you can even write, you can even go below and write what you think. So it's not only for me, don't just be there, look at me like, you know, so say what you think is right, please, yeah? Thank you guys. Me, I'm always happy, by the way. I'm Vanessa Compresso, the artist. For those who don't know me, I'm from Cameroon. And I do folklore music. So you guys, just go on YouTube and search for Vanessa Compresso, Compresso with K. You're gonna enjoy my music. I will. So today we are discussing about why is it right for a nation to be united? Why is this very important for the nation? So this is the question that I want all each of us to discuss today, and this is going to be held every week, every Saturday from 8 o'clock, by the grace of God. So for that to happen, I really want everyone to participate. Don't be afraid. You can ask your question. You can say what you think is right. That's all. Nothing else. For the time being, we're going to listen to nice African music. So I love you. Guys, join me, participate, and ask your question. Say what you think, and that's it. Olivier Goma. Olivier Goma, I love this music. Je suis à toi pour la vie.
Venez participer. Everyone can participate. It doesn't matter you are who you are or where you're coming from. Just come and say what you think is right for the nation to be united. This is the question that I choose today, so we can all discuss about. We can all discuss this subject together. It's not only about one person. Like I've been talking on my own for the past at least 15 minutes. Come and join me and say what you think. Come on, come on, come on. Today is just the beginning of this program. So I know next time, next Saturday, because people are going to be aware of this, so I know people are becoming more and more and more. Then at the end of the day, we're going to be a big channel TV. And I wish so, by the grace of God. You know, you all have to start from somewhere. You know? So, posez vos questions et dites ce que vous pensez. Donc, merci Annick, voilà. Mais je veux que tu dises, tu donnes un argument. Je sais que l'initiative est bien. Mais si vous, vous me suivez, je sais que cela aussi pourrait grandir parce que je ne pourrais pas le faire seul. Donc, j'aurai aussi besoin de votre participation. Comme l'indique le nom de l'émission, participons tous. Donc, ce n'est pas seulement à une personne de parler. Dites ce que vous pensez par rapport au thème de ce soir, qui est intitulé « Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni ?» Je l'ai dit et nous le savons tous par rapport à ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Je reviens là-dessus de temps en temps, même par rapport à l'âge, chacun de son argument, ça nous aidera tous à avancer. Hein. Voilà. Ah ouais, tu vas Lamborghini, l'artiste Shakira de Londres. C'est très important qu'un peuple soit uni. Un peuple uni est un peuple solidaire et heureux de vivre ensemble. Ça, c'est l'argument de Tisa Lamborghini. Donc, voilà ce que Tisa Lamborghini lui pense, que c'est important qu'un peuple soit solidaire et cela permet à ce que nous soyons heureux et unis de vivre ensemble. Parce que c'est très beau de vivre ensemble. C'est très beau quand il y a la paix dans un pays. C'est très beau que de marcher dans la rue et savoir que voilà, peut-être, si tu vois quelqu'un peut-être qui est tombé et qui n'arrive pas à se relever, tu peux lui donner un coup de main et le relever. Tu vois quelqu'un qui manque de quoi manger, tu peux lui donner, un euro ou même un 100 ou 500 francs pour qu'il se trouve de quoi manger avec. Donc c'est ce qu'on a besoin. On a besoin du bon vivre, quoi. On n'aimerait pas voir notre prochain souffrir. On n'aimerait pas voir des gens mourir comme ça, comme ça se passe actuellement de l'autre côté de Boya, du Cameroun, ce qui se passe à Bamenda, des gens qui meurent et tout ça. Ça fait très mal. Mais pour que cela puisse s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons être unis. Nous devons combattre cela. Mais encore faisant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout cela s'arrête? Et que ça se passe bien. Il faut mettre des choses en place. Donc, c'est un peu ça. C'est de ça qu'on veut parler ce soir. Donc, je ne veux pas parler toute seule. Nous savons ce qui se passe. Donc, chacun peut donner ses arguments, même sous commentaire, comme Tizan l'a fait. Donc, soit appelé même sur caméra pour donner vos idées. Parce que cette émission va se passer comme ça tous les samedis à partir de 20h. Et pour une durée au moins de 30 à 40 minutes, comme je l'ai dit, parce que je ne vais pas vous garder longtemps, parce que vous avez aussi vos besoins personnels, vous avez vos choses à faire. Donc, dites ce que vous pensez. Merci, 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 merci.
Voilà, comme je l'ai dit, je ne vais pas parler toute seule, comme je sais pas, comme je sais pas quoi, comme je dirais que je vais pas parler toute seule, comme qu'est-ce que je vais dire, je vais pas parler toute seule comme une radio. Tu vois, à chaque fois que tu changes de chaîne, tu es toujours en train de chanter ou parler des trucs, donner des informations. Mais tel n'est pas le cas ici chez nous. Ici chez nous, c'est pour que tout le monde donne ses idées, tout le monde puisse dire ce qu'il pense. Aujourd'hui, on a choisi le thème « Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni ?» Et samedi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons choisir un autre thème. Comme ça se passera comme ça tout le temps. Nous n'allons pas demeurer sur un seul sujet. Mais le thème de ce soir, c'est pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni? Parce que notre Cameroun ne va pas bien. Notre Cameroun ne va pas bien. Nous voulons que notre président, nous voulons que le gouvernement fasse quelque chose à revoir ses règles et ses principes. Parce qu'en ce moment, ça ne va pas. Il n'y a pas de stabilité au Cameroun, il n'y a pas de paix au Cameroun. Ça va très mal et on a peur. Pour nous qui avons des familles en Afrique en ce moment, on dort comme si on ne dort pas parce qu'on a peur. On ne sait pas ce qui va les arriver ou à d'autres personnes. Donc, on a besoin de quelque chose. On veut que quelque chose soit fait à l'immédiat pour que tout cela puisse s'arrêter. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis l'artiste Vanessa Compressor. Je fais dans le Bikusi. Mais j'ai décidé et j'ai dit je vais ouvrir cette petite chaîne qui a commencé aujourd'hui, cette émission qui est dont le nom est Participons tous. Donc nous tous devons participer. Donc je sais pas, quelque chose m'est venu dans la tête. J'ai dit pour être plus en communication, pour être plus en contact avec mes fans, mes amis et membres de famille, je vais ouvrir cette petite émission par la grâce de Dieu et par vos efforts. Ouvrir cette émission pour que nous puissions tous rester en communication et en contact. Mais je ne vais pas prendre de votre temps. Ça ne va pas se tenir tous les jours. Cela se passera tous les samedis à partir de 20h. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème qui est intitulé « Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni ?» Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni, soit qu'une nation soit unie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce que les dirigeants doivent, nos dirigeants doivent faire? Pas de racisme surtout, pas d'insultes. Tout cela doit se passer dans la bonne humeur. Faut pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, même la Bible l'a dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. La haine n'est pas bien. La haine ruine tout un pays. La haine ruine les gens. La haine sépare les gens. La haine est là pour tuer. La haine est là pour créer des troubles. Il n'y aura jamais la paix tant qu'il y a la haine. Donc, ça c'est un principe biblique. Ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. C'est comme je l'ai dit, si tu n'aimes pas ton prochain, ne prétends même pas aimer Dieu que tu ne peux pas voir. Donc, commence d'abord par aimer ton propre prochain. Avant d'aimer Dieu que tu ne pourras même jamais voir, mais on le sent à travers ses œuvres. Donc, moi, je ne suis pas là pour prêcher, mais je dis ce qui se passe, en fait, ce que la Bible révèle. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vivre cette chaîne? Prochainement, on parlera d'autres choses. On va pas être basé seulement sur ça. Chaque semaine, on va débattre beaucoup de sujets. Plus formidable et fantastique et sexy aussi le plus souvent, pourquoi pas. Donc, vous savez, la lady soir, j'aime tout ce qui est sexy. Donc, on va aborder aussi des sujets très sexy que les hommes et les femmes aiment trop écouter. Mais aujourd'hui, ce n'est que juste le beginning. So, hello guys, come and participate. Don't let me talk on my own. Why would let me talk on my own, please? Come and join, let's discuss this together. And say what you think. Donc, ça c'est le but de cette émission. Et l'émission est appelée Participons tous. Ça, c'est le nom de l'émission. Participons tous. Donc, vous êtes tous appelés à participer. Mais le thème qu'on a choisi ce soir est intitulé
Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni? Non, c'est ça. Donc, venez comme on pose les questions. Pendant ce temps, on écoute la musique, comme je l'ai dit. Bon, je vais changer un peu de canon. Nous allons suivre Patience d'Abani. Donc, écoutons tous. Brevana Wanze, pourquoi pour toi un pays divisé c'est quoi? Mais c'est toi qui dois me donner la réponse, non? Dis-moi, toi explique-moi ce qu'un pays divisé c'est quoi? Un pays divisé, moi je vais parler loin comme je l'ai dit tout à l'heure, un pays divisé, c'est un pays où il n'y a pas d'entente, ou un pays où tout ne va pas bien, un pays où il y a des troubles, comme ce qui se passe à cause du gouvernement bien sûr. Par exemple, c'est comme nous vivons au Cameroun en ce moment. En ce moment, le pays est divisé. Le Cameroun est divisé en ce moment. Le côté anglophone va être divisé du côté francophone. Donc voilà, quand on dit un pays est divisé, c'est ça. Ça veut dire que quand le gouvernement n'a pas résolu le problème du pays, donc là, le peuple se décide donc de faire ce qu'ils pensent. Donc ils veulent gouverner eux-mêmes. Donc au fait, c'est ça pour moi en principe. Donc je ne sais pas si tu peux aussi ajouter ton argument ou ce que tu penses au fait. Donc ouais, ce que moi je pense. Un pays divisé n'est pas bien du tout. David et la Mitsa. On veut la paix. La stabilité. La sécurité. Dans nos pays. Dans nos régions. Dans nos villages. C'est ça. Parce qu'un pays en guerre. Un pays qui n'est pas ordonné. Un pays où il y a le désordre. Un pays qui est divisé. Ne peut jamais faire avancer les choses. Jamais, mais tout au contraire, nous allons fondre dans la ruine. Et là, ce n'est que le début. Tant que nos dirigeants ne s'élèvent pas pour mettre fin à tout cela, ça va s'en aller. Et les qui vont écouper, les innocents, nos enfants, la génération qui commence à grandir ou qui va naître, voilà les gens qui vont souffrir. Donc, on ne veut pas que cela continue. Nous voulons que cela s'arrête. On veut que ça s'arrête. On veut que ça s'arrête. Donc, pour que cela puisse s'arrêter, nous devons être unis. Nous devons nous tenir la main dans la main pour pouvoir dire au gouvernement non, ou de revoir leur façon de diriger les choses, ou de revoir tout son gouvernement, ou à revoir qu'est-ce qu'il faut changer. À revoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place. À revoir tout ce qui est bien pour faire avancer notre pays. C'est ça notre vouloir, ce qu'on veut au fait. C'est ça. Le café, la scène, beaucoup. Participer à l'émission. Vous savez, notre Cameroun est indivisible. Le Cameroun est indivisible. On ne veut pas de division dans notre Cameroun.
On ne veut pas de division. Nous sommes toute une famille. Nous sommes tout un peuple. On ne veut pas de division. Restons unis, restons ensemble. C'est ça en fait. Moi, j'ai pas de tribu. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis camerounaise. Je suis camerounaise. J'ai pas de tribu, moi. Mais je sais que je suis camerounaise. Donc, tous les Camerounais, en général, doivent être unis. Ah, je sais pas si, si j'ai mal parlé. Hein. Le Cameroun restera indivisible, mais tout ce qu'on veut, c'est la stabilité et la paix. Oh. Param, param, param. Dans la bonne humeur. Je peux encore vous jouer après. Qu'est-ce que la vie? Donnez vos arguments, dites ce que vous pensez. Comme je l'ai dit, notre émission, j'ai décidé de l'ouvrir à partir d'aujourd'hui. Et cela se tiendra tous les samedis à partir de 20h. Et le nom de l'émission est Participons tous. Donc ça, c'est le nom de l'émission, Participons tous. Dans cette émission, on en parlera de tout. De tout, au fait. Mais j'ai préféré, pour l'ouverture de cette chaîne, j'ai donc préféré choisir un thème qui va à, par rapport à ce que nous vivons actuellement dans notre pays, le Cameroun. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi ce thème qui est intitulé « Pourquoi est-il important qu'un peuple soit uni ?» Ça, c'est le thème de ce soir. Donc, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas répéter les mêmes choses. Que c'est bien quand il y a la paix dans un pays, c'est bien qu'un pays soit uni pour faire avancer les choses, pour que ce pays soit en valeur, pour que ce pays ait la stabilité, pour que des gens puissent aller au travail tranquillement et gagner de la vie, pour que des enfants puissent aller dans des écoles construites et aussi dans des écoles où on va y retrouver des maîtres et des maîtresses qui donnent l'éducation à ces enfants. Voilà ce qu'on veut, du travail, des emplois aux jeunes, à nos jeunes, à nos enfants qui sont en train de grandir, puisque quand il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de travail dans un pays, qu'est-ce qu'on va retrouver? Que de meurtres, que des vols. Pourquoi? Parce que ces gens-là cherchent de quoi manger. Donc tout ça, c'est ce qui passe, que si le gouvernement met toutes ces choses en vigueur, et si le gouvernement met toutes ces choses en pratique, s'il essaie d'établir tout un plan pour toutes ces choses-là, il y aura vraiment, notre pays sera un pays meilleur. Parce que le fait pour moi, c'est quoi? Si notre pays avait tout ce dont on avait besoin, ce que je pense serait que beaucoup d'entre nous ne seraient pas allés dans des pays étrangers pour se chercher. Mais si on vient dans des pays étrangers, comme moi personnellement, pour se chercher, c'est parce que dans nos pays, on n'en trouve pas mieux. Raison pour laquelle on sort de nos pays pour aller ailleurs chercher. Mais on veut que cela puisse changer pour la génération qui arrive, pour la génération qui grandit. Donc, c'est ce que je pense, au fait, parce que la justice est très importante. Quand il n'y a pas de justice dans un pays, tout le monde est renfermé, tout le monde a peur,
Tout le monde n'est pas libre de dire ce qu'il pense. Vous voyez, donc la justice est très importante. Mais une justice qui est bien fondée et dans les normes. On ne veut pas d'une justice corrompue, quoi. Parce que quand les choses sont corrompues dans un pays, ça ne peut pas faire avancer les choses. Jamais. Mais ce qui vit dans ce que nous voyons dans nos pays, tout cela se passe. La corruption, on en trouve partout dans le monde. Surtout en Afrique. L'Afrique est plus corrompue que plus que tout au monde, en fait. La corruption. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bannir tout cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, c'est un peu ça en fait. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, notre émission se déroulera tous les samedis à partir de 20h. Et nous allons débattre plusieurs sujets. Vous pouvez aussi même à venir dans mon inbox, donner aussi des sujets que vous pensez que ça peut être important pour tout le monde. Comme le samedi prochain à 20h, on va débattre notre sujet. Pour pouvoir envoyer vos thèmes, par exemple, pour la semaine prochaine, le samedi, qu'est-ce qu'on va débattre? Tout le monde est free, hein? C'est pas pour moi, ça, c'est pour tout le monde, c'est pour nous tous. En fait, c'est ça. Donc, on veut la paix et la stabilité dans notre pays. On veut être unis, on ne veut pas de tribalisme. Non, on ne veut pas de tribalisme. Que tu sois Bassa, que tu sois Béti, que tu sois Hondo, que tu sois Bamileke, que tu sois, je ne sais pas, nous sommes one. We are one. On n'est pas deux, nous sommes one. Donc mettons ça dans nos têtes, quoi. On ne veut pas de séparation, de division, non. On ne veut pas. Donc, j'attends toujours vos questions, vos réponses, vos questions, quoi. Nous allons suivre... l'un de mes titres. Nous allons suivre Mazombo. Nous allons suivre... Comme je vous ai dit, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa Compressor, je me représente encore, Vanessa Compressor, je vis à Londres et je suis artiste, je fais dans le Bikutsi, donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, allez tout simplement dans YouTube, tapez Vanessa Compressor avec A. Donc je vais vous faire suivre mon zouk. Je vais vous faire suivre l'un de mes titres que j'ai fait cela presque 4 ans aujourd'hui, qui est intitulé Corruption. Je l'ai mentionné même dans l'une de mes chansons. Écoutez très bien et vous pouvez même télécharger cette chanson. Tapez tout simplement Vanessa Compressor dans YouTube. Vanessa Compressor Corruption. Donc voilà, le son est lancé. Check me out. Boom, bam, bam, bop. Bada-bop, boom, pow. Voilà, corruption. Arrêtons la corruption pour faire avancer notre cher pays. Car cette intention participe à la destruction. Comme je l'ai dit, c'est à nous de le changer, hein? Mana wakam, makame, mana makam, makame, akama mayenti, asimbae, akama mayenti, asimbae, corruption a fait illégaliser. La corruption n'est pas légalisée. Elle ne sera jamais légalisée. Makame, makame, asimbae, asimbae, corruption a fait illégaliser. Makame,
Makame, makame. You son of mania, you son of mania, you son of mania, you son of mania. Vous n'avez même plus honte. C'est ça que je dis, c'est la question que je pose. Donc vous n'avez plus honte, c'est pas la corruption. Quelle déception! Pourtant, on peut relever notre pays. En cessant la corruption, dans les hôpitaux, dans les mairies, dans les établissements scolaires et dans les bureaux. J'ai bien dit cela dans cette chanson. Morata po ajame, mini minal, hanywe, hini mia kinyebo, mofogwe, hini mia kinyete, mondangwe, la bombe Kamer, c'est moi. Vodka vous amène à danser ce soir. Arrêtons corruption pour notre évolution, l'avenir, pour nos chers enfants. Arrêtons corruption pour notre évolution, l'avenir est en jeu pour nos chers enfants. Tissa, c'est toi. Mbogolomba, mbogolomba, ba, ba. Balo, mazo. C'est sur YouTube, tapez tout simplement Vanessa Compressor, corruption, Compressor avec K. Merci hein, pour celui qui adore mes chansons là, merci. Nalengi na yo, pour mes amis congolais quoi. Corrompu, arrêtons corruption. J'ai dit non corruption, tous sont des corrompus. J'ai dit corruption, on veut plus corruption. J'ai dit non corruption, tous sont des corrompus. Mora bozamale mikobo, mora tarbozame, mini minal, anywe, enimia kinebo, on foué, enimia kinete, mondouan hey hey. Pourquoi le choco? Arrêtons le choco, le bac-bac, c'est pas bon, hein? Ça ruine le pays. Sur YouTube, tapez tout simplement Vanessa Compressor, corruption. Debout, debout, on va gâter le coin ce soir. Aïe! Aïe! La bombe Kamer. Merci, hein? Merci. Bolo! Bonjour Endom. Participons tous. C'est le nom de notre émission, de notre émission, mais le thème.
Là, c'était corruption. Comme je vous l'ai dit, on ne veut plus de corruption, on ne veut pas de corruption dans notre pays. Mais tout ce qu'on veut, c'est la paix et la stabilité dans notre pays, le Cameroun et un peu partout dans le monde. Donc, c'est ça le thème de ce soir, comme je l'ai dit. On va débattre plusieurs sujets chaque samedi à partir de 20h. C'est quelque chose qui va continuer grâce à votre concours et votre participation. Vous êtes aussi appelé à inviter vos amis, vos connaissances, vos membres de famille, parce que l'émission, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une personne, c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Donc, bientôt, très bientôt, nous allons conclure l'émission. Donc, qu'à cela ne tienne, je vous fais écouter quand même mon zouk qui est intitulé Tu n'es jamais là. Donc, voilà, en fond sonore. Vous pouvez poser la question, je vous ai dit, bientôt on va arrêter l'émission, va se clôturer juste après cette chanson. Donc, mon zouk, tu n'es jamais là, ça télécharge. Donc, comme je vous l'ai dit, nous voulons, donc ce que nous allons tirer comme conclusion ce soir, c'est que pour qu'un pays soit uni, pour que tout aille bien dans un pays, il faut l'union. Pourquoi? Parce que un seul bras ne peut pas construire tout un immeuble. Il faut plusieurs bras pour que cet immeuble soit debout. Donc, tenons-nous la main dans la main, soyons unis pour qu'il y ait un changement dans notre pays, pour que le gouvernement puisse remédier aux maux qui touchent notre Cameroun, au fait. Dans l'union, fait la force. On ne veut pas de tribalisme. On ne veut pas de division dans notre beau pays, le Cameroun. On veut que le Cameroun soit uni et nous voulons vivre ensemble dans la paix et la stabilité, au fait. Donc, c'était pour ce soir, mes chers amis et fans. Je vous remercie déjà d'ailleurs pour ce soir, pour votre participation. Je sais que grâce à vous, ça va grandir au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'étais juste une première. Donc, n'oubliez pas que le nom de notre émission est appelé Participons tous. Donc, ça veut dire, je ne vais pas parler toute seule chaque fois. Tout le monde est appelé à parler, à argumenter, à dire ce qu'il pense. Ça va nous aider tous à avancer. Donc, ce que je vais dire en conclusion, c'est que nous voulons la paix, la stabilité dans notre pays, parce que nous savons que le Cameroun est indivisible. On ne veut pas de tribalisme dans notre pays, on ne veut pas. Et moi, je vous ai dit, moi, je suis camerounaise. C'est tout ce que je connais. Hein? Oubliez que Biti, on de Bassa, machin, machin. Maintenant, camerounaise. Je ne veux pas de tribalisme. Domicile. Donc, moi, ici, nous avons une. Pour vous aimer ton homme, maintenant camerounaise. Donc je veux que notre pays soit uni. Somme one person, une personne. Donc, juste après mon son, ça serait la clôture de l'émission pour ce soir. Et je vous invite encore très massivement, samedi prochain, grâce à Dieu, qu'il puisse nous donner la santé et la vie. Nous allons nous retrouver samedi à partir de 20h, où nous allons débattre un autre sujet. Nous allons parler de tout, même de l'amour, même le patati, même le patata, tout, hein, tout. Vous pouvez aussi envoyer vos thèmes, même dans mon inbox, comme ça on peut le discuter le samedi prochain. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pour nous toute cette émission. Donc, à ce sujet, je vous souhaite bonne soirée. Bisous. Et allez sur YouTube, tapez tout simplement Vanessa Compressor pour suivre mes chansons. Donc, et vous pouvez aussi les télécharger gratuitement. Trop de love, mes amis. Je vous aime. Et que le Seigneur continue à nous bénir et nous accorder longue vie et le souffle de vie, quoi. Donc, beaucoup de bonnes choses dans les jours à venir. Bisous de moi.